beautés, j'espère que vous allez toutes bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage no make-up make-up, donc très naturel, que je fais surtout quand je n'ai pas le temps. Alors là je viens appliquer la base Topi Crème, donc c'est le soin magique teinté, donc ça hydrate, unifie, illumine et fait bonne mine naturelle. Donc j'adore cette crème, je pense de la racheter parce que j'en ai quasiment plus. Ensuite je viens appliquer du coup de l'anticerne, donc là c'est l'anticerne haute couvrance fini naturelle de chez Sephora en teinte 20, que j'aime vraiment beaucoup, il est vraiment bien, je l'ai déjà racheté plusieurs fois, mais vrai, il est vraiment top. Et du coup je viens l'estomper avec le 110 de chez Zoeva, donc c'est un petit pinceau boule comme ça, très efficace, et vraiment ça va laisser un fini Photoshop sur la peau, on va dire ça comme ça. Not there in the kitchen with the girl who's always gossiping about her friends. I'll tell them I'll be here. Right next to the boy who's throwing up cause he can't take what's in his cup no more. Oh God, why am I here? Oh, here. Oh, here. Oh, I ask myself, what am I doing here? Oh, here. Ensuite je viens poudrer le tout avec la poudre transparente de chez ELF, donc la HD. Celle-ci vous la connaissez aussi je pense, et je viens faire ça avec du coup un pinceau duofibre. Donc celui-ci c'est le duofibre, hein, simplement de chez Sigma, c'est le F50. Il est très bien pour ça, la matière est très très bien diffusée plutôt, et c'est top. Ensuite je viens réchauffer mon teint avec la palette Shade & Light de chez Kat Von D avec un pinceau blush classique. Donc là c'est le F42 chez Sigma. Et je viens faire un petit peu un contouring, mais c'est surtout histoire de réchauffer mon teint et structurer aussi un peu mon visage. Ensuite, pour donner un peu de couleur à mon teint, je viens appliquer un blush. Donc là, c'est le Springsteen de chez MAC, que je vais venir un peu du coup estomper avec le pinceau duofibre de tout à l'heure. Ensuite, pour donner un peu de structure à mon regard et surtout à mes sourcils qui sont un peu clairsemés, je viens appliquer du coup le Eyebrow Sculpt Automatic Pencil de chez Kiko, dont je suis folle amoureuse. Je vous avais fait du coup une revue sur le blog et je les adore et on voit bien du coup la différence de sourcils. Ça change vraiment le regard et je trouve que c'est indispensable dans n'importe quel maquillage, les sourcils c'est vraiment très important. Ensuite pour le glow, je viens appliquer l'highlighter Moonlight Pearl de chez ELF, que j'aime beaucoup parce qu'il est très naturel. Ensuite après ça, je vais venir appliquer du mascara, donc là c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Je mets souvent une ou deux couches, ça va dépendre de l'intensité souhaitée, mais bon, souvent c'est quand même deux couches. Hein. Ensuite vous allez voir, je vais appliquer un rouge à lèvres vraiment effet, enfin très très naturel, que je vais venir appliquer en tapotant sur les lèvres en fait, juste pour créer un petit peu de définition aux lèvres, mais vraiment sans appliquer le rouge à lèvres à proprement dit. Voilà, comme ça, je tapote. Et voilà, le look est fini. J'espère que ça vous aura plu et on se dit à très bientôt sur le blog. Bisous!